Ça mène dans la zone centrale, une passe de Couture. Couture laisse pour l'autre Anctil, c'est Vincent vers Julien. Le tir bloqué par Poirier, le but! Anctil qui vient marquer, la rondelle qui était libre. Et le Phoenix qui vient prendre les devants ici au centre Bergartin, 1-0. à faire à la première période, mais la pénalité à Rémi Poirier qui est coûteuse. Et c'est Rainville qui reprendra. Rainville transporte le disque en zone centrale, lui qui affronte son ancienne équipe. Gosselin maintenant se mène à l'attaque. Passe à Rainville. Le but! Quelle passe de Gosselin! Rainville qui marque pour une deuxième fois cette saison contre son ancienne équipe. Et Gosselin qui a son premier point cette saison pour les Olympiques de Gatineau. Quel jeu de passe de Gosselin là-dessus, mesdames, messieurs, le défenseur qui s'en est mené à l'attaque. Et Rainville qui marque entre les jambières de Sigouin. Boutin qui reprendra. Boutin, Kachnikov, c'est Dean maintenant, entrée de territoire de Zachary Dean. Laisse derrière pour Grouchy, Grouchy vers Manex Landry. Landry ne peut tirer, il était seul. Un autre tir, alors d'équilibre, Zachary Dean marque, mesdames, messieurs. C'est 2-1 la marque. Eh bien, on met Dean sur le quatrième trio. Il voit de l'action en avantage numérique. Il se démontre bien. Restera à voir s'il sera sur le quatrième trio pour longtemps encore. Dean qui donne les devants aux Olympiques. C'est 2-1 la marque en faveur des locaux. C'est Robert. Il passe en zone centrale qui est intercepté par Manex Landry. Landry est seul en territoire du Phoenix. Tente quelques feintes. Landry a nulle part à aller. Rainville vient de s'amener. Mais Landry, un tir du revers et le but! Sigouin entre les jambières. Et c'est 3-1 la marque. Trois buts sans réplique des Olympiques. Sigouin, encore une fois, battu entre les jambières. Nianskum en zone centrale, le met vers Parent. Parent vers Peach. Peach tente une passe dans l'enclave. La rondelle qui est libre. Et le but! C'est Nianskum qui marque. Quelle gaffe de Rémi Poirier! C'est 3-2 la marque. Les Olympiques qui sont épuisés, mesdames, messieurs. Et là, Régatier Aubin qui sera chassé pour avoir fait trébucher son bâton qui restait pris dans le patin de Poulain. Là. La pointe. Un tir de loin. Et le but! La pointe qui déjoue à Poirier. Les Olympiques qui avaient une pénalité à retardement. Les Olympiques qui s'écroulent encore une fois. On menait par deux. Et c'est l'égalité. Ici au centre Robert Gartin, la pointe qui déjoue à Poirier du côté de la mitaine. Poulain. Passe en enclave. Quelle passe de Poulain vers Robert. Et voilà Poulain qui démontre ses talents de la Ligue nationale de hockey. Et le Phoenix qui marque un troisième but sans réplique. Kachnikov qui retire au vestiaire des siens. Et rien ne va plus là, pour les Olympiques de Gatineau qui se font pratiquement doubler au chapitre des tirs au but. Je l'avais mentionné, mesdames et messieurs, quand les Olympiques menaient par deux, ils devaient absolument marquer ce quatrième but pour donner une avance de trois buts. Et puis repris par Voyer. Voyer remet vers Parent. Parent remet vers Voyer au cercle gauche, à la pointe pour Bellamy. Bellamy, un tir, frappé, le rebond! Parent avait une cage ouverte, c'est 5-3 la marque. Les Olympiques se sont écroulés pour une autre fois cette saison, mesdames et messieurs. Bellamy, en zone neutre, une passe vers Parent, Parent met vers Poulain. Poulain vers Parent, par un tir, bloqué le rebond. Poirier qui... Non, le Phoenix, il vient marquer. Comment est-ce que ce but peut compter, mesdames et messieurs? Comment est-ce que ce but peut compter? Écoute, je suis confus. On regarde la reprise ici et ce but ne peut pas compter. On a un joueur littéralement dans le filet du côté du Phoenix. Le but qui ira à la reprise vidéo. Écoute, on a... Je crois que c'est Voyer au roi là, qui a chuté dans le filet.
et était derrière Poirier lorsque la rondelle est entrée. Mais je pense qu'on va accorder le but. On accorde le but. C'est 6-3 la marque en faveur du Phoenix.